street life, thug life. La vie c'est comme ça, mon gars. La vie, ça va être un mot. Il a vu sur moi la carte, il a vu sonner de lui, matos. Dans les bandes, il a vu l'apparence à Bamba. Moi, il va payer et ça, tout le monde est miaté. D'abord, quand on voit tout le monde, on voit tout le monde. Donc, tu connais le monde, on voit tout le monde. Et si tu veux, il va venir battre sur le bateau, il va venir bisous, il est seulement éhabité. Parce qu'il va tout le monde, tout le monde est mané et ça, tu es. On est sur le bac, là, en vérité, tu vas dire, ça, mais moi, il. Vérité, c'est plutôt la vérité. Il est tellement simple que ton bouquin, ton compliqué, c'est vérité. Vérité parce que tu vérité parce qu'on comprend les nions sont venus à ce compliqué. Par même son lobe, on nous a la simple. Moi, on est bien, on s'inquiète de nous sauter. Mais si noté, comment on ne peut jamais les gosses aller? On ne peut jamais voir les gosses aller. Comme toi, il y a autant de colas qui viennent les mains. Où tu m'as dit, oh, il est dans mon thème, non. Et ça passe. Il y a ma passion, mon âme, qui vit, c'est comme ça. Toujours l'été, tout l'acheter. Depuis que tu as deux mondes. Spirituel dans tout, vous avez tout le monde, mon corps, les bibes, le bateau, le bateau, mais tout le esprit terrestre là, qui domine cette terre. Mais il est dominé, il est dominé le bateau, il est dominé le bateau, il est dominé le bateau. Donc il est dominé, tu sais, on comprend. Mais il y a un monde à Satan. On va te faire rester facilement parce que ça va être Satan. Mais si tu es dominé, Satan, tu es là, oui. Tina Souka, dans ce Tina Souka, tu persévérer, tu vas pour Mibiso, tu es toujours à sauver. Et bah, toi, tu vas voir, tu vas voir, il y a Bible, mais il y a des négatifs. Tant qu'à moi, tu vas souffrir, tu vas souffrir, tu vas participer, tu vas participer à la souffrance à Jésus. Parce que ma souffle, elle est féconde. Il faut que je sois souffrée. Pour moi, le côté de mon kiri, elle veut monter, tu vas pas qu'une dent qui va manger, pour aller sous mon corps impardonnable. Elle est sous mon pardonnable, mais moi, j'ai déjà pour faire qu'il. Pour aller sous moi, non. Avec les sous-moi, ils ont toujours une histoire de l'analyse. Mais ils ont fait pour la montre, elle dit que toi, elle est sous-jugée, t'es la ma soumou, t'as fait comme ça. Ma soumou, t'as fait plus, elle dit ma soumou, elle est sous-moi, t'as fait, mais elle est mission pour l'ensemble, mais elle est toi, non, t'as fait la bango, t'as fait mon kiri, t'as fait la massanga, t'as fait la drogue, 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 t'as parce que je jugeais qu'il y aurait un droit comme la drogue était, à qu'on finit à l'eau, parce qu'il y a aussi un balamant comme ça, mais il y a beau temps, il y a des amis, il y a des gens qui sont bien élevés, il y a des gens qui sont bien élevés. Donc il faut c'est ça. Nous pouvons, ils ont fait bien, ils ont fait bien. Les là, on va faire les là, mais ils ont fait la tentative. Nous sommes allés sur les drogues une fois après l'autre. On a mis les drogues une fois après l'autre. Bon, je suis venu nous mettre notre carrément en aïe. Pour que vous puissiez me faire un peu, tant que vous prenez un peu pour réfléchir, alors que vous vous entendez, c'est un bas à l'intérieur. Tant que vous avez un peu de bateau, vous avez un peu de mauvaise vie, parce que vous avez un peu de mauvaise vie, et 20% de nous sommes. Donc, la vie c'est comme ça. Il faut que tu saches que la vie, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. On comprend. La vie c'est pas nous, la vie c'est les autres. Qu'est-ce que tu fais pour les autres? C'est ça ta vie qui va être jugée. C'est pas que c'est pour toi. Dieu t'occupe de toi. Dieu il prend soin de toi. Lui il veut pas ça. Il veut pas que tu prennes soin de toi. Il veut que tu t'abandonnes, tu t'occupes des autres. Parce que lui déjà il sait qu'est-ce que tu veux. Lui déjà il prend soin de toi. Donc la vie on vit pour ça. On vit pour les autres. Un jour on va travailler mais on veut pas. Quelqu'un d'autre derrière. C'est tout ce qu'on fait dans la vie pour être très bien, pour vivre heureux le temps qu'il nous reste. C'est parce qu'un jour on va laisser à quelqu'un d'autre aussi. Je ne veux pas. On va dire, même si je ne suis pas là, au moins quelqu'un d'autre, j'ai fait du bien à quelqu'un qui reste avec mon héritage. Ou j'ai fait du bien parce que maintenant j'ai des enfants, j'ai vu les enfants de mes enfants et tout ça. C'est ça la vie. Mais aujourd'hui, la vie, on complique la vie. On ne peut même pas vivre heureux. Quand on est riche, on abandonne. Ça fait deux mondes avec les pauvres. Tandis que l'argent, c'est rien. Pour moi, aujourd'hui, je deviens un millionnaire. Aujourd'hui, pour moi, je t'ai dit que la moitié de mon argent, je vais partager avec les pauvres. Et les restes, c'est pour aider. Je vais toujours aider les gens malades et partout. Je vais toujours faire les biens. C'est ça ma récompense dans la vie. Qu'est-ce que je fais aux autres? C'est ça qui va être demandé au jour de mon jugement. Et ça ne serait personne d'autre que moi seulement. Et ça compte plus que qu'est-ce que je fais de mon corps, qu'est-ce que je fais pour les autres, qu'est-ce que je fais pour les autres, ça compte plus que qu'est-ce que je fais pour moi. Parce que c'est seul Dieu qui va me juger. Donc, compliquez pas la vie pour moi.